Bonjour, je me présente, je m'appelle Christelle Bilodeau, je suis une artiste spécialisée dans les portraits au crayon graphite depuis plusieurs années et aujourd'hui, Dessert m'ont lancé un défi pour me sortir de ma zone de confort. Ils m'ont fait parvenir des crayons de couleur et m'ont demandé de les utiliser pour faire un portrait. C'est une première pour moi, j'ai déjà utilisé des crayons de couleur une ou deux fois par le passé pour ajouter des petits accents ici et là, mais jamais j'ai fait un portrait en entier avec seulement des crayons de couleur. Je vais utiliser les Faber-Castell Polychromos. Pour me familiariser avec les différentes couleurs, je vais me préparer une charte pour tester chaque crayon. Ensuite, je pourrai comparer avec ma photo référence afin de bien choisir mes teintes. Ma charte est prête, allons-y! Ok, donc un premier bilan. Je viens de travailler pendant 8 heures environ sur le visage en tant que tel. Donc le visage est pas mal complété. Évidemment, il y a toujours des petites retouches que je vais faire par la suite. Une fois que les cheveux sont terminés, mon sujet a une espèce de coiffe. Là, donc une fois que ça va être complété, je vais pouvoir faire des ajustements au niveau des tons de la peau, tout ça. Par contre, là, première constatation que je peux faire, c'est que ça se travaille vraiment différemment que les crayons graphite. Donc, je suis habituée d'utiliser des estompes, des effaces. Donc, aussitôt qu'il y a une petite imperfection, c'est facile de corriger avec une efface. Par contre, les crayons de couleur, c'est un autre défi. Donc, je peux utiliser un peu mon efface mécanique. Puis, ça me permet d'estomper un petit peu là, les erreurs que je peux faire. Par contre, ça disparaît jamais vraiment complètement. Donc, je dois composer avec ça. C'est un beau défi quand même. Et puis, je me suis rendu compte aussi que une peau, c'est pas nécessairement juste une couleur uniforme. C'est un mélange de plusieurs teintes. Donc, là, présentement, mon sujet, c'est une geisha japonaise. Donc, le visage est quand même assez blanc. Sauf que je me rends compte en zoomant sur ma photo référence que finalement, c'est pas si blanc que ça. C'est un mélange de bleu, de rose, de mauve. Donc, c'est un bel exercice au niveau des couleurs. Donc là, je vais m'apprêter à commencer les cheveux. Donc, une fois que les cheveux vont être faits, ça va me donner une meilleure idée de la peau en tant que telle. Là, s'il y a des choses qu'il faut que je retouche, ça vient toujours aider à balancer le ton de la peau. C'est la même chose avec le graphite. Normalement, je me fais vraiment le visage au complet en premier jet, comme on peut dire. Puis par la suite, une fois que les cheveux sont complétés, je peux venir ajuster les tons. Des fois, je me rends compte, oh, ma peau, je l'ai faite un petit peu trop pâle, un petit peu trop foncée. Donc, je vais me lancer vers la chevelure et je vous redonne un petit update quand je suis plus avancée. Donc, je viens de compléter la partie cheveux et la coiffe avec toutes les fleurs sur sa tête. Donc, ça a été une expérience quand même différente de quand j'ai fait le visage. Parce que pour le visage, j'y allais vraiment tout en douceur. Là, je voulais pas faire des traits trop foncés que j'étais pas capable d'effacer. Puis en même temps, le visage était quand même assez pâle. Donc, je pouvais pas vraiment expérimenter avec des couleurs vives. Donc, pour les fleurs, c'était vraiment le fun. C'était agréable là, de mélanger là, des différents tons pour créer une espèce d'effet de lumière, de profondeur. Donc, je trouve que ça a quand même bien été. Pour une première fois, en plus, c'était le fun d'utiliser des couleurs vives, vibrantes. Donc, ça rajoute vraiment du punch, surtout sur des cheveux noirs. Puis également, pour les cheveux noirs, entre guillemets, ben, c'est une combinaison de plusieurs couleurs. Il y a du brun, il y a du bleu, il y a du gris pour venir créer des reflets qui ont l'air réalistes. J'ai décidé d'utiliser un crayon à peinture pour venir faire des éclats blancs vraiment vifs.
comme j'utilise également dans mes portraits au graphite, donc c'est un outil que j'utilise déjà fréquemment, puis je me suis dit, il me semble que ça rajouterait un petit punch sur les fleurs surtout. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet, ça vient rajouter un éclat plus réaliste que si j'avais juste utilisé le crayon de couleur blanc. Donc ensuite, il me reste juste une étape, il va me rester à faire son vêtement. Je vais faire quelque chose d'assez simple parce que je veux que le focus soit vraiment sur son visage, les cheveux. Donc, je veux pas que le vêtement vienne voler la vedette. Puis, je vous reviens avec ma conclusion puis mes dernières réflexions sur le défi que de ça m'a lancé de faire un portrait en crayon de couleur. Donc, j'ai officiellement terminé le portrait. Donc, je dirais que je suis assez satisfaite du résultat pour un premier portrait au crayon de couleur, là, vraiment. Je doutais un peu de mes capacités, je vous avouerais, là, au début, mais ça a tout de même bien été. C'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration, évidemment, mais pour une première fois, je suis vraiment contente. Je dirais que les crayons, les Faber-Castell Polychromos, ils se travaillent très bien. J'ai trouvé ça très agréable. Je trouvais que le crayon glissait bien sur le papier. Les couleurs sont vives, sont claires. Puis, il s'aiguise aussi très bien. La mine n'est pas du tout friable. Là. Elle n'avait pas envie de casser. Des fois, je pouvais peser très, très fort. Puis, ça restait intact. Puis, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Donc, je sais pas trop à quel moment puis quel sujet je vais utiliser. Mais je pense que je vais réutiliser des crayons de couleur dans le futur. Puis j'espère aussi que je vais avoir donné le goût à d'autres artistes, peut-être qui utilisent d'autres médiums. Ça peut être aussi des artistes du graphite, ça peut être des peintres qui auraient envie d'essayer les crayons de couleur. Honnêtement, je trouve que c'est très agréable. Donc en conclusion, je recommande vraiment l'expérience à n'importe quel artiste qui s'intéresse peut-être à vouloir essayer d'autres médiums. Donc vraiment, c'est super agréable. Ça rajoute un peu de couleur dans nos vies, puis ça a fait un très gros changement. Là, normalement, je suis toujours en noir et blanc. Donc, de faire un projet comme ça avec beaucoup de couleurs, c'était très agréable. Donc, je vous souhaite une très bonne création.